Salut les gars, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog de mon confinement. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un peu ce que je fais. Alors c'est pas une journée basique, genre je fais pas ça tous les jours, mais en général enfin, vous l'avez vu, j'ouvre mon volet et je descends prendre mon petit déjeuner dans mon jardin, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je prends mon petit déjeuner là-bas, ensuite je discute un peu avec ma mère dehors, on reste genre 1 heure. Je sais pas combien de temps je suis restée dehors. Ouais, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je me suis dit que j'allais ranger ma chambre. J'ai pas grand-chose à ranger. Faut savoir que dans ma chambre, c'est le bordel tout le temps. Et que j'ai pas vraiment d'endroit où ranger mes fringues. Donc c'est pour ça que j'ai un panier à linge. J'ai un putain de moustique, il est sérieux? Vous l'avez vu ou pas? Enfin, bref, c'est pour ça que j'ai un panier à linge avec des fringues pliées dedans parce que bah, j'ai pas de place. Donc je vais essayer de faire un peu ça. Et après j'allais me faire un masque parce que ma peau, elle aime pas la quarantaine. Je sais pas ce qu'elle a, mais j'ai bouffé de la merde aussi. Donc ça aide pas. Mais ouais, je vais faire ça. Et puis vous allez me suivre tout au long de ma journée en fait pour ma quarantaine. Bon, j'ai terminé le ménage. J'ai pas eu grand chose à faire dans ma chambre, mais du coup, quand j'ai sorti l'aspirateur, j'en ai profité pour faire mon entrée, toilette, salle de bain, tout ça, tout ça. Et j'ai nettoyé mes toilettes aussi. Super intéressant. Et là, je viens de passer, genre, je ne sais combien d'heures, à essayer de chercher un nettoyant pour le visage. Parce que manque de peau, il m'en reste un. Je l'ai depuis janvier. Donc vous vous rendez compte, on est presque fin mars. Et là, il commence à décéder, le pauvre. La dernière fois que ma mère a été faire les courses, parce que j'y vais plus, moi, enfin, en tout cas pas dans un grand magasin. La dernière fois, ça m'a trop traumatisée, je peux pas. Du coup, je lui avais demandé de m'acheter un nettoyant pour le visage. Il n'y en avait plus. Donc voilà ce que j'ai retrouvé. Je vais pas aller bien loin avec ça. Surtout que je le connais pas, je l'ai acheté aux États-Unis parce qu'il était en petit format et que je me suis dit, ah, c'est bien pour essayer. Mais ouais. Et là, on a essayé de faire le drive, vous savez, pour les courses. Parce que forcément, il nous manque toujours quelque chose. Je sais pas comment on fait. Il nous manque toujours quelque chose. Et puis, vous savez, enfin, moi, je sais pas, je suis un peu comme une femme enceinte, j'ai des envies. Il faut que je les assouvisse de suite, quoi, genre. Là, c'est un peu compliqué, donc j'ai commandé plein de trucs un peu cons, que de la merde. Et je cherchais mon nettoyant et il n'y a toujours pas. Donc je sais pas. Va chercher les courses dans 1 semaine, je crois. Donc on va essayer de voir si à ce moment-là elle en trouve. Sinon, je serais obligée de commander un truc sur internet. Mais vu qu'on n'a plus de courrier, je sais même pas si ça arrivera par la poste, quoi. Donc voilà. C'est super. Et ouais. Donc là, j'ai rangé. Maintenant, j'ai hyper mal au dos. Genre, j'en peux plus, je crève de chaud. Du coup, la dernière fois que je vous ai parlé, je crois, je vous ai dit, ouais, je vais me mettre un peu dehors, manger, tout ça. Rien fait de tout ça, enfin. J'ai été un peu dehors avec ma mère et je suis crevée. Et en fait, j'ai cherché si dans mon petit
magasin là, dans le centre de chez moi, ils avaient mon nettoyant pour le visage. Normalement, ils disaient que oui. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais y aller, je vais l'acheter parce que, enfin, je suis désolée, mais j'en ai besoin, quoi. Là, je vais pas. Enfin, il m'en faut, quoi. Du coup, je suis descendue avec mon attestation, tout ça, tout ça. Je suis arrivée dans mon magasin, il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait un peu des courses d'appoint, quoi. J'ai retrouvé du savon, donc j'en ai racheté parce que, bah, on n'en a plus. Enfin, du savon pour les mains. J'avoue, je me suis acheté des frites au micro-ondes. Voilà. Parce que là, ça. Parce que le truc, c'est que le confinement, ça fait qu'une semaine, mais nous, on était en isolation, là. Enfin, en isolement. En isolation. En isolement depuis déjà pratiquement 2 semaines. Donc là, on entame la 4e semaine. Enfin, il y en a marre, quoi. On n'en peut plus. Donc bref, j'ai été un peu faire les courses, je suis rentrée, je me suis bien lavé les mains, machin, tout ça, j'ai mis tout à laver, j'ai laissé les courses dans le garage. D'ailleurs, si vous savez vraiment ce qu'il faut faire pour les courses, genre les nettoyer ou les laisser dans le garage ou je sais pas quoi, dites-le moi, parce que moi je suis complètement perdue et ça commence un peu à me saouler de pas savoir ce qu'il faut faire avec ces courses, machin. Donc bref, j'ai fait ça. Et en fait, là, bah, je suis crevée parce que j'ai une côte à descendre. Enfin, j'ai une côte à descendre et à monter pour aller au magasin, là. Du coup, ça m'a claqué parce que j'ai pas l'habitude de faire autant d'efforts. Donc, je vais regarder un épisode de la saison 2 de Final Space. Et je vais faire la sieste. Parce qu'en plus, il est 15h. Donc, c'est l'heure de la sieste. En espérant que personne ne passe la tondeuse, que personne ne mette la musique à fond, parce que ça va pas être possible, quoi. Mais enfin, j'ai une histoire à vous raconter, enfin, genre mes voisins, c'est un enfer, enfin bref. Ouais, donc j'ai regardé Final Space et je vais faire la sieste. Et en fait, je me maquillerai pas aujourd'hui, donc vous avez le droit à cette magnifique tête de croque-mort. Et voilà, c'est la fin de la journée. Il est quasi 23h. Je vais aller me coucher. C'est quoi ça? On regardait L'Arme Fatale 3 avec ma mère, parce que ça passe tous les jeudis sur TF1 série film. Donc la semaine prochaine, il y a L'Arme Fatale 4. Trop cool. Voilà. Grosse journée de rien du tout. Je pense que demain, ça va être pareil. C'est cool. J'espère que votre confinement se passe bien, que vous allez bien, que vos proches vont bien. Et ouais, restez chez vous, lavez-vous les mains, appelez vos grands-parents et surtout prenez soin de vous. Moi, je vous fais des énormes bisous et on se revoit la semaine prochaine. Bye!